Les victimes scrutent la fumée blanche à Lourdes un mois après les révélations fracassantes du rapport Sauvé. Les 120 évêques français réunis depuis plusieurs jours vont annoncer ce matin les mesures prises pour lutter contre les abus sexuels. On vous retrouve sur place pour RMC, Jean-Wilfried Forcas. C'est sur l'indemnisation des victimes justement qu'on attend des annonces fortes. Oui, l'indemnisation envisagée devrait concerner l'ensemble des victimes d'abus sexuels. Elle concernera l'effet Presserie, mais cela pourra aller au-delà, a dit l'Église. C'est une instance nationale indépendante qui va instruire toutes les demandes. Le tout sera confié à un magistrat professionnel. Ce sont les agresseurs qui vont devoir payer lorsqu'ils le pourront. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est l'Église qui devra indemniser sur ses fonds propres en vendant, s'il le faut, des biens immobiliers. L'information a été annoncée dès hier soir. Les évêques pourraient ne pas interdire les dons des fidèles, mais il n'y aura pas d'appel public officiel. Pour trancher sur toutes ces propositions, les évêques vont voter ce matin et ce sera à huis clos.